C'est bon, j'ai trouvé Arrivès, elle est là, on va pouvoir savoir son histoire. Il est bon de vous revoir, il nous reconnaît une token. Alan m'a dit que vous emportez facilement ces temps-ci. J'ai reçu des informations. Alors, le journal. Allez. La secte était donc responsable de l'agitation. Les renseignements que vous avez ramenés sont très précieux. Heureusement, vous avez trouvé d'autres membres. Bois Roussi et le bois de Padivet. Avez-vous trouvé d'autres? Oui. Oh, regardez, il y a des vraies animations. La secte voulait vous attaquer. Attends. Heureusement, cela nous... Avez-vous trouvé d'autres... Ouais, regardez, montrez le journal. Regardez, elle sort le journal de sa poche. En étant droit, ces renseignements... J'aimerais que vous continuiez vos recherches au cas où. Alors, ouais. Je vous souhaite bonne... Mais moi, en fait, je m'en fous de tout ça. Bon de oui, alors. De nouvelles avant en effet, voilà. Je suis en colère. Je ne cesse de penser à la mort de Fentik et au fait que je n'ai rien fait pour l'empêcher. Fentik avait consacré toute son existence au service de la justice et à son devoir, tout comme moi. Et voilà comment il a été récompensé. Il a été désavoué. Désavoué par son seigneur pour apaiser la stupidité des masses. Désavoué par son dieu pour une erreur. Donnez-moi une seule raison de ne pas être en colère. Et pourquoi ne pourrais-je pas parler comme ça? Si Fentik avait un peu mis sa foi en question, s'il avait été moins dévoué, et s'il avait moins fait confiance à autrui, peut-être serait-il encore en vie, alors qu'il est. Et voilà comment il a été récompensé de son sens du devoir. Merci, Tyr, dieu de la justice, pour avoir ainsi aidé ton fidèle serviteur. Et moi, suis-je la suivante sur la liste? Finirais-je accusé de haute trahison, moi aussi? Serais-je exécuté pour avoir dénoncé une injustice flagrante? Tyr, je ne sais pas. Tyr m'a conduite ici. Il m'a montré cette voie. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi m'enseigner la vraie justice pour ensuite me la jeter en plein visage? Tout ce que je sais, c'est que... j'en ai assez de me sentir triste et impuissante. Je culpabilise pour toutes les questions que je me pose sur ma foi. Mais j'ai l'intime conviction que je dois me les poser, justement. Je sais que Tyr ne cautionne pas la vengeance. Et je ne vois nulle justice dans cette affaire. Il n'y a pas de justice à rendre pour ce qui a été fait à Fentik. On ne peut que le venger. Et moi, je n'en ai pas le droit. Peut-être est-ce juste à cause de ses rêves. Ils ne cessent de me hanter. Et ils sont chaque nuit plus horribles. J'entends des cris. J'entends tellement de cris. Oui. Je revois sans cesse Fentik mourir devant mes yeux. J'entends des rires et des gens qui m'appellent à l'aide. Tant de gens que c'en est presque insupportable. Promettez-moi. Promettez-moi, vous, mon ami, de trouver le culte et d'être le bras armé de mon impossible vengeance. Merci, mon ami. C'est le seul moyen qui me soit venu à l'esprit pour faire taire ses rêves. Je dois absolument faire quelque chose. Et je me sens vraiment soulagée à l'idée que vous allez m'aider. Vous avez été mon ami fidèle. Tenez, prenez ceci. C'est un anneau qui appartenait à mon père. Je veux qu'il vous revienne. Qu'il soit le symbole de notre amitié. Peut-être que, si quelque chose venait à m'arriver, il vous aiderait à vous souvenir de moi. Rien du tout, mon ami. Ce sont la fatigue et l'inquiétude qui me font dire... Je suis ravie que vous le portiez. C'est un grand honneur que vous me faites. Nous reparlerons plus tard. Partez, trouvez le cœur de ce culte et revenez me voir. Je vous souhaite bonne chance. Et bah voilà. Franchement, ces petites histoires comme ça, le récit d'Aribès. Vous écoutez ça tranquille. Oh, c'est beau. Et donc... Si vous désirez que l'histoire d'Aribès continue dans les chapitres suivants, conservez dans ça... Ah mais je veux à l'histoire d'Aribès. Oh, c'est délicieux. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que j'ai des missions un petit peu partout, notamment à part là, c'est quoi ça? Le triste monstre aventurier, le serpent quoi. On est éternel rencontre. La première est. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est l'équipe des pierres. Non, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, ce qu'on a, c'est des choses qui mènent au trek du culte. Donc. Alors, non.
D'après Amaga, l'agent du culte de Verdag et c'est une ancienne trahison. Ok, donc ça on s'en fout. Donc actuellement là j'ai que des missions qui se trouvent pour l'IAS, donc où je suis, j'ai une qui est dans la caverne qui a trouvé. Voilà. Donc là j'ai le choix, là j'ai des trucs et là c'est la quête principale. Franchement, je vais aller à la route du sud pour aider cet homme-là qui a été capturé par les bandits. Car on m'a promis un petit peu des choses. On m'a vendu des choses, hein, des choses délicieuses, des choses textuelles. You know what I mean, clin d'œil, clin d'œil. Je vais d'abord porter l'anneau. Il est où? Il est où l'anneau? Il est où? Bonne idée de merde. Anneau des résidus. Des résidus, oui. C'est la France. Il est. Oh, il est où son anneau? Anneau d'Aribès, alors. Darimes Paladin a vous a donné cet anneau à l'un des héros engagés. L'épaisse bague en or est gravée de sa belle fille, qu'elle voit gracieuse et inoubliable, n'est-ce pas? J'ai l'anneau de Salomon, il sert à quoi? Vous avez été donné par Salomon, un alpha de l'étrange qui est venu à votre rencontre? Ah oui, c'est vrai, mais je vais mettre la bague d'Arribes. Cependant, l'anneau de Salomon, je vais la garder dans un sac. Putain, je perds mes objets, c'est incroyable. Ah non, il est là. Je vais le mettre dans ce sac magique. Ouvre-toi, sac magique. Bordel là-dedans. D'ailleurs, là aussi, il faudrait que je vide. Alors, on vide des trucs, hein. On vide des trucs, on vide des trucs. Déblocage. Contrat, ça sert à rien. Non, on va garder ça. Regardez ça. Donc, la destination, la prochaine destination, j'affiche juste que je suis pas, non, je suis pas lourd. La prochaine destination sera donc la route du sud, qui nous mènera par le scan. Donc, c'est vers la route du sud, les beaux souris. Raté, c'est à gauche. Toujours raté. C'est le nord ou le sud. Nous allons au sud. Et nous promenons-nous dans cette petite avec cette petite musique, hein, et les bruits que les villageois disent. Car ces villageois ne sont-ils pas un petit peu comme nous, j'ai envie de dire la tranquillité et la joie. Je vais juste utiliser une petite potion pour me rendre un poil de vie. Un poil. Je sais pas, une petite potion de nul. J'ai de l'alcool. Ah voilà, si j'ai une potion. Voilà, petite potion tranquille. J'en ai récupéré pas mal des potions. J'ai un puits. Ouais, le puits, est-ce que je l'ai visité? Alors, je papillonne, hein. Oui, je peux trouver des choses dans des puits. D'ailleurs, on approche bientôt de l'épisode 100, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup comparé à ce que je m'attendais. Enfin, en même temps que je fais, je m'y attendais un peu. Enfin, c'est un peu confus. Disons que déjà, c'est pas le bon chemin, hein, soyons clairs. Disons plutôt que quand j'ai fini le chapitre 1, que j'ai vu que c'était l'épisode 63, 64. D'ailleurs, j'ai revu l'épisode 64 et j'ai pas coupé le début, c'est débile. Quand j'ai vu le début, enfin, quand j'ai vu que la fin du chapitre 3 ça faisait 60 et quelques épisodes, je me suis dit, waouh, mais alors j'aurai fini dans 300 épisodes, ça va être long! Eh ben, je prends le pari. Je prends le pari. J'assume complètement. J'assume complètement. Donc, du coup, nous en pourrons aller au sud avec notre superbe sanglier. Et c'est parti. C'est hyper, comme disent les jeunes. Voilà. Wow, avançons. Ok. Ouais. On va tuer tes congénères. Ouais. Alors, première chose à faire, comme d'habitude, il faut tracer la carte. Quadriller les lieux. Et trouver ces bandits. Non, quadriller les lieux, c'est vraiment quadriller les lieux. Oh putain, il y a un sanglier, je peux lui parler. Je peux te parler. Ouah, t'es mignon, tu m'attaques pas. On se balade, on fait tout le tour. On cherche éventuellement les moindres faits et gestes suspects. Ah, il y a un avec là. Qu'est-ce que c'est? Un arbuste.
avec des baies. Ah oui, la baie des marais qui mixée à certains non, c'est un cerf. Avec certains ingrédients donne une concoction mystérieuse et mystique. Je peux traverser? Je ne peux pas traverser. Dommage. Là il y a un blaireau. Oh mon ami le blaireau. Maintenant j'aime les blaireaux depuis que j'en ai un aucun. Oh what the f. Qu'est-ce bonjour. Je vois. Oula, alors ça rame un petit peu, je suis désolé. Ah alors. J'entends des voix. Ça doit être les bandits, hein. Je pense que c'est des bandits. Tiens, voilà. Et il y a des loups. Ah, ouais, bah non, vas-y, je te le laisse. Alors, nous sommes là. Ouest, Porliast. Merde. Ouest, Porliast. Est, ferme du sud des bois souris. Au nord, le bois de Padibert. Et ben, c'est génial tout ça. Je vais quadriller cette zone. Les gens premier first et puis on va aller vite fait vérifier qu'effectivement au nord c'est le bois de pas d'hiver parce que je n'ai pas confiance dans les panneaux. Alors, je vais laisser un peu de noir hein. Là il y a un cerf, il est tranquille posé. Le cerf est posé, il se pose zéro question, il y a zéro problème ma gueule. Non, non, j'ai cru que c'était un ennemi. En fait, c'est mon sanglier. Mon sanglier qui a perdu la moitié de sa vie. Ah, zut. Oui, donc là, ça se tient. Donc oui, effectivement, je voulais vérifier. Hein. Je n'ai pas confiance dans les statistiques. Non, pas dans les statistiques, dans la géographie du jeu. Donc là, je vais juste revenir légèrement sur ma, sur la, sur l'ouest. Pour finir le quadrillage. Ah, je ne peux pas aller dans ces eaux profondes. Un petit peu gênant. Oh, il y a une grotte. Bon, bah... Une session sur grotte, sans exploration, c'est rien. On y va. Attends. Pef. Ouais, mais attendez-moi, merde. Trop rapide. Alors par contre ça rame un petit peu. Si ça rame un petit peu, je pense que c'est à cause des qualités graphiques. Non, ils ont tué le sanglier. Ou la belle bait. Ou la belle bait. Il y a un ours brun, il y a un ours sanguinaire. Ou la belle bait. Oula, la pauvre cadavre. Il y a une porte, tranquille, il y a une porte. Oh putain, par contre là. Ouais, parce que quand même, je prenais assez cher dans mes dents. Attendez, mais des... Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, ça va être le décès, ça va être le décès. Allez, j'attends quand même un petit peu d'XP. Oui, parfait. 350. Ça va, c'est pas dégueu. On va se reposer. Hein. On va se poser pour le moment. Je vais regarder combien j'ai en XP. Ah, c'est en 10 000 d'XP. Mine de rien, 10 000 d'XP, ça peut monter très très vite au point où j'en suis. On balance encore une vingtaine de monstres à 300 XP et puis ouais on est bien. On est bien. La porte, pourquoi il y a une porte? Je ne comprends pas. Elle est verrouillée, lol. Lol, elle est verrouillée, c'est drôle. T'as vu, c'est drôle. Ok, un réseau de passer un... Ouais, c'est un ré... Non mais c'est... Mourez, vous le méritez.
Oh là là, oh là là. Oh, il a pas que le petit putain. On manque, c'est de la petite merde, ça. Hey. Allez, et Dallas, quand tu veux, hein. Je sais pas. Ne te presse. Qu'est-ce que je... Oh. 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 Alors là, j'ai vu le piège. Alors, je voulais pas récupérer le piège.